Ah, si mon médecin me voyait, il me dirait, mais Fabien, mais que fais-tu donc subir à ton corps? Mais qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu lui fasses subir des choses pareilles? Et oui, hein, en même temps, hein, je ne pourrais qu'approuver ce qu'il aurait à me dire, parce que je suis reparti vous faire une vidéo sur des boissons absolument abominables. Et je commence avec une boisson où je viens juste de remarquer, avant de faire la vidéo, en lisant l'étiquette, qu'elle ne contenait absolument rien du tout. Cette boisson contient que des conservateurs, des trucs comme ça. Il n'y a aucun matériau de base là-dedans. Il n'y a rien du tout dans cette boisson. Il n'y a absolument rien. C'est de l'eau. Ah ouais. De l'eau, virgule, gazeuse, hein. En fait, c'est de l'eau et du gazeuse, hein. C'est pas de l'eau gazeuse, hein. C'est de l'eau et du gazeuse. Puis du fructose, du sucre de canne, de l'acide citrique, de l'arôme, du sel, comme ça, hein, je sais pas pour quelle raison, et du caramel. Le caramel étant un autre moyen de dire sucre. Le caramel étant juste du sucre qui a fondu, quoi. Et ça s'appelle boisson de Sarsaparilla. De Sarsaparilla. Ça fait penser à l'herbe dans les schtroumpfs, là, la salse pareille. Ou ça fait aussi penser à de la serpillière. Hein. En même temps, vu ce que ça contient, ça peut être réellement de la boisson à la serpillière. Hein. Enfin bon, ça peut être de l'eau filtrée à travers une serpillière. Enfin bon, bref. En tout cas, ça m'inspire pas tellement. Surtout que c'est fait par la même marque. La marque qui s'appelle Chin Chin, d'œuf le loup. Celle qui a fait l'espèce de Nesquik imbuvable de l'autre fois, le truc qui ressemblait à du Nesquik mais qui n'était pas du Nesquik. Alors là, je suis vraiment en train de combler parce que vraiment, j'ai pas envie de goûter, mais il faut que j'y aille, hein, faut que je goûte cette horreur. Alors, ah oui, c'est gazeux, c'est la première boisson gazeuse que je vais faire. L'odeur qui s'est échappée du pchit là ressemble à du sirop pour la toux. L'odeur ressemble à du sirop pour la toux. C'est réellement fait avec de la serpillière. Oh mon Dieu, c'est dégueulasse. Oh. Putain. Ah mais ça a ce goût de... Oh. Comment exprimer ça? Ça a vraiment un goût de serpillière. On a l'impression qu'on vient de sincer le sol et qu'on vient d'utiliser le détergent pour faire de la flotte. Au moins, il y a des bulles pour faire passer ça. Oh mon Dieu, mais c'est affreux. Mais c'est buvable. C'est quand même un niveau au-dessus de la boisson précédente, hein, de la même marque. C'est pas bon, mais au moins j'arriverai au bout de la canette, quoi. Ça partira pas dans l'évier. Bon, j'ai besoin d'un outil pour les canettes de cette marque, hein, la fameuse marque des canettes qui sont impossibles à traverser et tout ça. Et aussi impossible à ouvrir. Alors, c'est du nectar de coco, bon. Je pense pas que ça puisse être mauvais, hein. Donc on va voir, c'est parti. Eh ben c'est bon. Voilà, bah ouais, depuis longtemps, hein, enfin une boisson buvable. Ouais, non là c'est bon, ça se boit, pas de problème. Alors, l'autre fois, je vous avais montré la ice tisane. Eh ben, voici du ice tea thai, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Bon, bon, il faut encore l'accessoire, hein. Voilà. Ah, l'ouvre-canette breveté. Il devrait être vendu avec. Oh mon Dieu. Oh non, c'est encore un de ces trucs qui contient du thé, du lait. Oh putain, non. Oh non, 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 mais non, c'est pas possible. Non, mais non, non. Ah bah au moins ça a pas le goût de l'autre truc dégueulasse.
C'est à peu près buvable. Mais franchement, je déteste le thé avec du lait, oh. Je sais pas, le thé avec du lait, j'ai l'impression que ça fait un goût de bouillasse, quoi. C'est... Enfin bref. Enfin bon, ça, c'est bizarre, hein. On a l'impression de sentir les grains de la terre. Enfin bon, c'est... Non, c'est pas terrible, mais bon, ça se boit. Bon, pour une fois, on n'aura pas de truc affreusement dégueulasse, hein. Alors... Ah oui, dernier truc, donc, c'est de le... Excusez-moi, il y avait des bulles dans l'autre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, là aussi c'est gazeux. Alors c'est poisson gazeuse arôme pomme. Ok. Bah c'est bien. Et la canette est assez spéciale, hein. On dirait une moitié de canette qui a été fusionnée avec une moitié de bouteille d'eau gazeuse. Ça ressemble à un fond de bouteille de badoit qu'on aurait coupé là. Enfin bon, c'est... Oui. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Allez, c'est parti pour ouvrir ce truc. Eh ben, vous savez quoi? Ça a un goût de pomme dans de l'eau gazeuse. Pour une fois, ça a le goût de ce que je m'attends à ce que ça ait comme goût, quoi. Ah, bah oui, bah oui, bah... oui. Bah, c'est pas forcément extrêmement original ni quoi que ce soit, mais ça a le mérite d'être conforme à ce que je m'attendais. C'est-à-dire quelque chose de parfaitement buvable. Et de pas trop gazeux, donc du coup ça fait pas un truc absolument infect. Enfin bon. Non, c'est très bien ce truc. Il n'y a pas de problème avec ça. Y a aucun souci. Ça se boit. Bon. Allez, refaisons un coup de serpillière pour voir. Ça, mais c'est vraiment dégueulasse. Mais d'où ils sortent des trucs pareils quand même? Oh. Je regarde les ingrédients en anglais au cas où que ça confirme que ce soit pas la même chose. Non, non, c'est exactement les mêmes ingrédients. Ils ont rien oublié sur l'étiquette en français. Hein. Y a rien là-dedans. C'est de l'eau, du sucre et du caramel. Et des bulles. Et un arôme qui est même pas précisé, hein, il y a marqué juste arôme. C'est de l'arôme serpillière, je suppose, hein, parce que niveau arôme, hein, c'est marqué. Enfin bon, c'est. Voilà. Ouais, bah voilà. Hein, bon. C'est bien dégueulasse, hein. Si au moins il y avait, je sais pas, de la caféine ou je ne sais quoi, ça, bon. Ça me donnerait une justification pour le boire, mais là, pff, non, ça n'a aucun intérêt ce truc-là. C'est pas bon, hein. Ah, c'est pas terrible du tout, hein. Et on va terminer, alors pour une fois, avec un truc qui n'est pas transformé directement à un fruit. Alors c'est un kaki. Alors un kaki, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le fruit national du Japon. C'est une sorte de, enfin ça a la taille d'une tomate, hein, environ. C'est orange et ça a un goût de kaki. Ça pas, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment descriptible. Oh, tiens, je reçois un message comme d'habitude. Bon. Oh merde. Il y a la. Oh, mais ça me fait chier ça. Il y a toute la petite feuille là qui reste dessus, qui n'arrive pas à s'enlever. Bon Dieu. C'est que ça en contient des bulles cette merde. Pas le kaki, hein. Bon bref. Ouais, alors donc le goût que ça a, bah, attends, je vais en prendre un goût parce que comme d'habitude, c'est quand j'en mange un truc que ça m'inspire. Hop. Ah oui, alors c'est un fruit qui a une particularité assez sympa, c'est que bah, déjà on peut manger la peau sans aucun problème, mais surtout c'est un fruit qui n'a absolument aucun pépin. Enfin, c'est rare qu'il y ait des pépins dedans.
Parce que si la fleur qui a fait le fruit n'a pas été pollinisée, en fait, les pépins ne se développent pas. Un peu comme un œuf, quand l'œuf a pas été fécondé, ça ne tient pas un poussin, quoi. Bah, c'est pareil. Alors, le goût que ça a, bah, c'est sucré. Et puis, au moins, ça a un goût. Pas comme l'eau sucrée avec des gaz. Enfin, bon, voilà, bah, ça a très bon goût, ça. Enfin, bon, y a pas de souci avec ce fruit. Alors, si vous connaissez pas le fruit national du Japon, donc, eh ben, achetez-vous un kaki. C'est trouvable assez facilement. Et c'est franchement bon. Alors, il y a plusieurs espèces de kaki. Il y en a qui sont bons directement. Enfin, directement, quoi, même quand ils sont pas totalement mûrs. C'est ceux qu'on trouve le plus facilement en France. Excusez-moi, ça ne fait pas de parler la bouche pleine. Alors oui, oui, sauf que pour l'avoir au meilleur goût possible, faut attendre qu'il soit un peu mou, qu'il soit pas super ferme, comme une tomate qui commence à être un peu trop mûre. Bah c'est comme ça que c'est le meilleur. Et même ceux qui sont bons, même quand ils sont encore fermes, quoi. Mais le kaki original, celui qui est le plus répandu au Japon, lui, il faut surtout pas le manger quand il est bah, ferme, quoi, parce que sinon il est un peu amer, quoi. Alors donc vaut mieux attendre. Et puis voilà, bon, bah, c'est un bon fruit. Pour l'instant, c'est l'une des meilleures découvertes que j'ai pu faire à temps de frère, avec certains trucs aussi. Au niveau des boissons, hein, y a quelques boissons que je vous ai pas forcément montrées pour le moment, mais qui sont bien meilleures que celles-là. C'est des trucs que j'ai déjà découverts, donc du coup, je sais pas si ça vous intéresserait vraiment que je vous fasse le récapitulatif des trucs qui se boivent, mais bon, voilà. Alors, pour les trucs qui se boivent pas, donc, ou en tout cas que je trouve dégueulasse, il y a le liquide de serpillière. Et si vous aimez le thé au lait, à la limite, ok, mais du thé glacé au lait, je sais pas. Donc ce truc-là, à réserver à ceux qui aiment ça. Sinon, le reste, c'était bon. Pour une fois, il n'y a pas trop de dégâts. Ah, c'est vraiment dégueulasse, cette serpillière. Oh, putain. Je vois vraiment pas ce qu'ils ont voulu faire avec ça. J'arrive pas à exprimer le goût que ça donne, mais ça a une odeur de détergent, quoi. Oh, oui, non, mais ça sent synthétique, quoi. Quand tu sens ce truc-là, tu peux pas te dire que t'es en train de boire un truc naturel. Tu te dis que t'es en train de boire, je sais pas, du monsieur propre. Mais c'est vrai, ça sent un truc qu'on... Mais ça sent l'arpic WC, quoi. Ça sent un truc qu'on foutrait dans les chiottes pour nettoyer, quoi. C'est vraiment... Non, mais je vous jure, si dessus il y avait marqué détergent, là j'ai vraiment l'impression que c'est du détergent en canette, quoi. Qu'on a décidé de se foutre de ma gueule et puis qu'on s'est dit, tiens, on va prendre du détergent, on fout dans une canette, on fout boisson dessus. Et non, mais je te jure, c'est affreux. Enfin bon, bref. Bon bah, à la prochaine fois, hein, et puis on verra si on trouve des trucs qui se boivent, quoi. Je sais pas. Bon bah, salut.